permettre la restauration entière de la chapelle Saint-Michel de Bicêtre en seulement 6 mois. Merci. Pour une chapelle qui date de 1994, construite avec le concours des missionnaires au village de Marie, de la paroisse Sainte Bernadette de Guyane et l'investissement humain des villageois. Toujours pour ce qui est de l'itinéraire historique de la construction de cette chapelle, elle avait été précédée par une autre bâtisse qui tenait lieu de chapelle à la partie sud du village, jusqu'en bout presque le site actuel de Maïsawari-Manijom. Elle avait été construite du temps des missionnaires de la congrégation du Spiritant, plus précisément par le père Michel Simonet. Elle prit de l'âge et menaçait ruine. Entre-temps, au milieu des années 70, ce missionnaire fut remplacé en Guyane par les homies qui venaient y dire la messe un dimanche dans le mois. L'écho de la voix fervente et pleine de détermination du père Enzo, ici présent, nous parvient jusque-là. Il disait, Yassam Teyem. Qu'elle s'affaisse, disait-il en ses lèvres, pour que la communauté puisse avoir une nouvelle chapelle. Son vœu fut exaucé en 1994 sous le leadership du père Carlo, ici présent. Cependant, presque 30 ans après, la même chapelle se fissura presque de partout. Cette fois-ci, sous l'inspiration de l'Esprit, la communauté chrétienne de Bicêtre, depuis 2015, s'est mise à cotiser financièrement pour restaurer son église. Cette année, un nouvel élan a pris avec une contribution financière de notre père évêque à hauteur de 4 millions. Le reste substantiellement fourni par les villageois et Michel Lebert et Victor Ben, ici présent, complété aussi par les mécènes. Merci infiniment alors à vous, évêques. Merci à la communauté chrétienne de Bicêtre. Merci à Victor Ben, l'entrepreneur. Mais merci aussi à Michel Lebert. Merci à Jeanne Nicole. Merci à tous ceux qui ont participé pour la réhabilitation de cette église. Au mécène, j'annonce le premier cas. Notre parfaite reconnaissance aux pionniers des congrégations du Saint-Esprit et des œuvres de Marie Immaculée. Merci à vous, Père Brutille, supérieur général des hommes. Merci aux pionniers, l'abbé Sorodio, l'abbé Jansard, et tous les prêtres qui sont passés par là. Nous remercions également les prêtres de Gazoville qui ne cessent de venir ici pour nous aider à célébrer l'Eucharistie. Cette inauguration devra être considérée comme une pierre angulaire dans la marche de notre communauté de la Fondation Saint-Luc d'Évangéliste de Samadia, secteur de Bicêtre. L'avenir chrétiennement s'ouvre à nous tel qu'on le va. Et cet avenir s'est grandi dans la foi, s'est achevé d'autres projets du secteur de Bicêtre, notamment l'achèvement de certains aménagements autour de la chapelle. C'est par ailleurs parachevé la Fondation Saint-Luc avec ses différents projets, l'église paroissiale, le presbytère, l'église, la chapelle de Nyeyen et entre autres des projets agricoles sur notre terre. C'est enfin faire corps ensemble pour une communauté paroissiale unie et forte des différents secteurs de Samaga, Fayal et Bicêtre. Que Dieu le Maître de l'univers soit béni, maintenant et toujours. Merci à vous tous pour l'attention que vous avez accordée à mes propos et bonne fête et excellente année à toutes et à tous. Ndifukare kuna mchofu
la pesa ombo le feñak si manie llega su reino y a los y de pesa ombo le feñak si manie llega un kilimno y a los usire genna undur atena mangel no no uye con allí halal anda oja llegue una la bouée de caramel, la casa de l'oubli d'Aden,
mais qui m'a allé jour qui est sa nom, par la de Alphonse Yopama, Ménès Namilou, Manoukaye, Yahid Yahid Adjega, quand mon corps, le téléphone béni, l'un de la région où elle est bien fatiguée, la commission d'ailleurs, comme des urgences, vous avez volé sa manière. La veille, son corps est la main, quand elle est tirée la gare de la ligne, tu as l'opposition de voir qu'il est en train. N'est que la région de la première, beaucoup qui n'étaient à la maison, la mise à la main de l'équipe qui vient de la main de l'eau, qui m'a été en train d'appeler Jean-Sar. L'impression à Gata, il vous a dit que je n'allais pas mettre qui était à la fin de la continent. Gitma Wendo, Gitma Itam, quel est le grand qui a été en merci de m'amener à Saint-Dominique. Nous sommes à Saint-Joseph de Nancy, parce que nous sommes à Gahama. En vous permettant de mettre une table parmi les gens, nous avons carré les dames avec Baka Alouné et Baka Dukan Nahim. Mais dites-moi, nous avons dit que 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 quel est le jambon? Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Mais je ne sais pas si je suis là. 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 Je ne sais pas si je mais quel moment, même dans le coup de la vie, 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 dans nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos fidèles de ton qui, d'une manière ou d'une autre, ont œuvré généreusement pour la réflexion de cette Église, afin que par l'intercession de Saint-Michel-Archange, ils puissent goûter au bonheur éternel, Jésus, Père de la paix et lumière du monde. Entendons prière.
Réservée à l'entrepreneur Jordan. Je vous dis la parole.
Monsieur Étienne Sarr de Fagab, Monsieur Jean-Baptiste Sarr, Monsieur Matagba, maire de Fagab, et tant d'autres donateurs que nous confions au bon Dieu. Merci à la chorale. Merci infiniment à la chorale. Et plus particulièrement à Monsieur Augustin Dom. Martial Sarr, Monseigneur, Jean-Baptiste Bourgogne. Vous avez dit aussi pour votre talent et votre amour pour cet art, Yassam Rongastamon. Mais que serait le projet sans le dynamisme de Gilles Bernou, qui a su avec engagement et abnégation coordonner efficacement le projet? Gardez Garamaga. Compagnons clés pour la réalisation de l'église paroissiale. Et j'insiste là-dessus. Nous avons réalisé quelque chose. Nous voulons réaliser quelque chose. Donc nous devons accompagner nos frères pour la réalisation de cette église paroissiale. Nous sommes très fiers de vous. Nous sommes très fiers de vous. Merci à Étienne d'avoir venu. Nous soutiennent chaque dimanche. Je vois avec Adé, il y a aussi avec Étienne qui n'est pas venu, mais vraiment, on vous dit merci du fond du cœur. Nous sommes très fiers de vous et prions pour que le Saint-Esprit vous comble de grâce. Enfin, Yamine, voilà, Yamine. Quand on parle des prêtres, j'ai sentiment, mon esprit pieux, quand je pense au Père Simonet, quand je pense au Père Maximon, et quand je pense aussi à la Sœur Anne. Enfin, son éminence, merci pour ton accord. Merci pour les conseils et l'assistance. Merci d'être la famille des gens qui t'aiment vraiment et qui ne se feront de prier pour toi. De prier pour une meilleure santé. Vous l'avez dit à Coconin lors des ordinations passées, avec Alphonse, on l'a fait deux fois. Et c'était un cadeau magnifique pour moi. Et je vous ai entendu dire, la croix de Jésus-Christ est vraiment lourde et elle est difficile à porter. Yassam et Yalofeba comme Doré, bref, comme Yeshu Fane, bref, Tadjama, d'aller à Yeshu Christa, de Tadjama, bien dans les décadés. Yassam et Yalofeba comme Doré, que Dieu vous bénisse, Éminence. Je terminerai par formuler des vœux pour l'année 2022. Je souhaite à tout le monde du bonheur, une sorte de faire une fois accrue, la réussite dans tous les projets qui plaisent à Dieu. Je souhaite une campagne et des élections apaisées. Je vous remercie de votre attention. Bénédiction et consécration de l'autel de l'église de Michel Chachma, nouvellement restaurée. Venant de la paroisse de Saint-Bernadette de Guignen, qui se sont occupés de vous de 1977 à 2018. Une longue date, une longue histoire. Les missionnaires Saint-Jean de Marie-Immaculée, appelés par le cardinal Hyacinthe Théodon, à continuer le service missionnaire du Père Simonet, sont en charge de la mission de Guignen, qui comprend 63 chapelles, dont une quinzaine d'églises en dur, et les autres des églises en paille. Je nomme le Jean-Carlo, ici présent. Je nomme le Père Massimo, qui est au paradis de Spadier. Moi-même et le Père Renato, qui se sont occupés de vous dès Pâques 1977. Comment oublier les premières confessions célébrées ici dans ce village à l'occasion de Pâques 1977. Les premières confessions, c'est comme
Je me rappelle d'un gamin de 6 ans. Et ça t'a quand même compassé que j'ai dit, d'où vient celui-là? Et j'ai connu en ce moment sa grand-mère dont je vais parler de ça. Alors, laissez-moi vous rappeler simplement quelques personnes qu'on a rencontrées ici et quelques pères qui ont marqué votre histoire. En ce moment-là, le premier conseil du village, Jean Lamindour, c'est ça. La coordinatrice des femmes, Virginie Paille, grande dame, bras droit du père Simonet et bras droit de Michel Assis. Il responsable de la communauté chrétienne, Gilbert Lamindour, on voyage sur la piste et les dépens de l'Ordre d'ici vers soi. Et on parlait des dépens du village. Et moi, spontanément, et moi qui étais tellement de grégorien, j'ai entendu Libérame, bon ordre-vous, arrêtez-vous. Il ne pouvait pas m'entendre à chanter Libérame, Domine, qui est pris de ça, je voulais déjà. La religieuse, venant de Joal, qui s'occupait tellement des femmes et des enfants, Sœur Alain de la Vierge, des franciscains du Seigneur de Marie, qui est là au pied, levez la main. Personne. Grande dame. Les catéchistes en charge de la communauté, Stanislas Bach, qui connaissait la Bible par cœur, et le catéchiste de Pédouze, qui vous sentait obligé à prendre par cœur comme des perroquets. Et avec lui, il y avait Fulgence Camar. Avec Joseph, il faudrait que tu connaisses un petit peu toutes ces histoires-là. Le futur chef du village, on a connu bien quand il est encore navigateur, Michel Sagne, que je savais encore ce matin. Le premier jeune qui m'a exprimé le désir d'aller au séminaire, qui est dit, le griot de Marie, Maurice Bon. Le premier jeune adolescent qui m'a exprimé le désir de venir au blanc de Marie Matinée, qui a dit, vous l'appelez Alphonse, déclaré à l'état civil à Consigne. Et moi je dis, mais non, Consigne, ça est fait, c'est pertinent. Alphonse Lucien Dom. Michel Dom, membre du foyer de Chaminé, avec qui j'ai vécu pendant 6 ans et demi, quand j'étais au Cambridge. Il est ici. Premier prêtre diocésain, Étienne. Moi, la Corunça, frère François Duc, de l'ordre bénédictin. Vous vous rappelez de lui? Bien sûr, il est toujours aux États-Unis. Mais le père avait me disait qu'il reviendrait bientôt. Prêtre de Saint-Gabriel, Augustin Duc, Maurice Duc, et Michel Duc. Il fallait qu'il y avait aussi des prêtres de Saint-Jean, mais ils sont partis. Ça, les personnes que j'ai enregistrées dans mon cœur et que je porte dans la prière. Il y en a d'autres, s'il vous plaît, mais je n'ai pas interrogé personne. Je vais laisser parler sur le cercle de ma montre. Si vous demandez à Maurice, il a oublié tellement de gens, mais c'est pas ça. J'ai dit ce que j'avais dans mon cœur. Des faits historiques maintenant qui ont marqué notre mission ici au Lapin-Michel. Visite à la tombe du roi Maïssa-Wallignan avec Maurice Comte. Et il m'avait demandé d'enlever les chaussures. Et j'ai marché sur les épines. Parce que la nature n'était pas encore faite. Ensuite, prière sur la tombe de Simon Asséti, au cimetière de Bicêtre, qui est ici, père d'Elisabeth, madame Adoudiouf. Vous ne savez pas d'avoir les terrestres mortels de personnalités avec votre roi. Monsieur, ma femme et papa d'Elisabeth, de madame Adoudiouf. Calvaire érigé dans les temps entre Michel et Padial.
En 1979, Monseigneur, peut-être des livres historiques, on passait, Monseigneur, la nuit de Noël et de Pâques en invitant les fidèles de Michel et de Fadial à célébrer ensemble la nuit du Seigneur et la mort et la résurrection du Seigneur. C'était beau. Il n'y avait pas de courant électrique, mais il y avait nos torches et nos bougies. Ces choses-là, il ne faut pas les oublier. Afin que vous puissiez, sur votre pays, être la sécurité à votre écouté. Je vais vers la fin, sinon. Dans une pirogue et d'un filet au village, d'un pistel, par qui? Par les volontaires italiens en Bourg. Avec Anna Parravicini, una grande amica a Pergercato, di Milano. Est-ce che la distrazione a Pirola? No. Est-ce che il filet è un potere per le poissons, je crois? Je crois. Et puis voilà, le décès per Massimo Crater, animateur du secteur de Michel, mort le 26 juillet 1880, sur ces montagnes, au nord du Jolie, et puis finalement, projet de la nouvelle église avec Père Carlo et Frère Donato. Il faudrait dire que je photo Giancarlo et envoyer notre demande dans la maison de l'église depuis 1989 pour la prélégie. En visitant le village, ça fait quelques mois, quelques années, plus de 3 ans avec le Père Dominique. Dominique Diane, avec Michel Sagnon, que l'église était en train de dire que c'était pas ça. Que vous avez, je vous avais expliqué. Repère votre église, Hélène. On rend grâce à Dieu de ce grand précieux que vous faites à l'église, dit le Seigneur de Carles, avec votre générosité. Enfin, j'avais sollicité Maurice Ngon et Lucien Dom. Adressez la liste des personnalités qui sont sorties de votre village grâce à l'école privée catholique fondée encore par le Père Simonet et continuée par nous. Est-ce que vous avez fait ça? Oui. Oh, j'aimerais bien savoir. Parce que de temps à autre, je raconte à la gare, j'ai été à l'école de la mission catholique. Alors, il faudra publier ce programme de grâce à Simon. Monseigneur, Benjamin, je vous remercie. Alors, je suis dans là, on a travaillé pour la gloire de Dieu et pour le bien de cette communauté. Et on espère de continuer à transmettre cette héritage de l'élan missionnaire que nos saintes gens de nos noms. Donc, Monseigneur porte la relique. Dans sa couleur pectorale, il porte la relique des saintes gens. Et jusqu'à présent, il n'y a qu'une chapelle que vous avez, que j'espère, de vivre de tout. Je vous remercie. Ah, je n'ai pas soumis les autorités parce que personne ne m'a donné mon nom. Je vous salue avec les émotions. Monseigneur, fondation le ferme.
La femme a dit qu'elle était. Tu as dit qu'elle était. Mais tu as dit qu'elle et nous sommes en misère. Misère de Sikabadel. D'être un ferroumal. Mata Koutarov. La reine avant Massawali. Car Massawali venait du Kaboul. Exilé. Roi au Kaboul. Arrivé à Missel. Eh bien, les sérènes l'ont adopté. Et Massawali dit, eh Missel, il m'a manoun. Mais quel mauvais kata, mais il a gagné de sa langue. Et alors, devenu roi. Et après ma mort, moi, Massawali John, je suis devenu Pangol, mal Pangol, vénéré par tous. Je n'ai jamais combattu l'Église catholique. Je n'ai jamais combattu les ouvriers de l'Évangile. D'ailleurs, une chapelle a été bâtie à côté de ma maison en 1957. Mais rien n'a été facile pour que les Missellois soient baptisés. Il y avait bien des résistants. Ouamadou, Grand Kouma, résistant contre la Bémoussa et autres missionnaires, maître des initiés de cette génération, du Kassak supérieur de Missel. Son cousin, la Fatim Diborgom, résistant, homme de combat, portant toujours le coucou comme nous portons le portable aujourd'hui. Gossel, résistant, homme de combat, grand-père de la Etienne, dont le père Joseph Maliam a été le premier président des parents de l'école Saint-Michel de Missel. Sabadek Diom, chef de village, résistant, homme de tête, au fétiche puissant, père de Sadou Yare, notable catholique. Ces quatre, tous les quatre, étaient des yalkos, au fétiche puissant. Ils avaient dit non et non aux missionnaires qui venaient pour prendre des enfants et les amener à Gazobine. C'est pourquoi, du temps de l'Homo Serasengor, pratiquement tous les villages avaient des représentants, sauf notre Sahna. Et nous comprendrons après que Alphonse Mangor Diouf, le premier baptisé de Missel, a résisté en fréquentant les Bodjémois et les Gazobinois. Et maintenant, arriva le père Michel Simonet. Hé hey Michel Simonet, Akamabou Missel, Béjordjan Bissamatou, Église Saint-Michel, Jor École Bissamatou, École Saint-Michel de Missel. Manuscrit est là, fondateur de la paroisse de Guéniane, Nessan, Anaxamato Mouné, Père Victor Bouteillé, spiritain, vicaire, l'homme des 12 métiers, 13 misères, l'homme qui affrontera Bodjem et le mettra dans la discipline commune. Et alors, moi, Père Simoné, j'avais demandé à Jean-Louis Diouf et à Béjac Sec, venant de Fayou, de dire les messes à Missel. Mais pourquoi ne pas nommer les femmes? Sœur Alain, Jeanne Dumière, de la Béni, Franciscain missionnaire de Mali, dont les sœurs sont ici présentes, à qui nous devons le centre social et le célèbre puits de Diam, en plus de la catéchèse. Sœur Matinsa, sa compagne, toujours des Franciscains missionnaires. Sœur Marthe Fenestrom, partage d'évangile et catéchèse. Sœur Myriam, cadre de santé et promotion féminine. Et pourtant, ils étaient toujours avec des femmes braves. Virginie Adjamentou, premier président des femmes catholiques, très engagée dans son courage aux côtés des sœurs Alain et des sœurs Mathilde. Et bien sa vice-présidente, Marie Sigatouf, première vice-présidente des femmes catholiques, très engagée, qui sera récompensée, car son fils deviendra le premier frère de Missel, la petite Jensen. Le père Babatinali arriva, les hommes de Marie, prédicateur imbattable, qui fait bouger les feuilles des arbres. Et bien Père Enzo, avec le frère Giancarlo, avec le frère Donato, bâtisseur de cette église, nous l'avons tracé en 1989 et nous l'avons terminé en 1991. La bénédiction sera faite par le cardinal Tchanou le 16 janvier 1994.
aujourd'hui 45 ans, Père Enzo, nous vous félicitons avec Jean Cardo et nous disons merci au Père Massimo Cratère au ciel. Père Jean Cardo, tu iras comme premier curé de Gilas, après avoir servi à Guéniel. Et toi, tu nous rappelleras le songe du catéchiste de Guéniel, Marcelin Fayet. Il dit un jour en 1966, j'ai vu Jésus et que Ama Jésus dans sa profonde arrêta Gilas. Où arrive Père Jean Cardo? Frère Donat, Dio Kanyal, grand bâtisseur infatigable, Père Mimo, successeur du Père Enzo à Guéniel, avec le mouvement Focolari, Père Carlo Andolfi, qui était curé lorsqu'on inaugurait et bénissait cette église. Père Joseph Damba, curé noir de Guéniel, premier curé noir de Guéniel, qui a fêté les 50 ans de la paroisse, remplacé par Père Pascal Fay, avec qui Monseigneur Benjamin Proximité Yaye a créé la fondation de Sambania. Eh bien, tout cela s'est fait avec beaucoup de laïcs, des catéchistes, parmi lesquels Théodore Walibo de Fadjar. C'est le seul catéchiste qui, au départ, a été accepté totalement par les gens de Michel et qui a fait au même travail, si bien que Tchandou l'avait surnommé l'apôtre de Sahmar Michel. Jean Abindour, catéchiste et chef de village, et même responsable politique, était cofondateur de cette école Saint-Michel, du beau travail. Émile Gorbas, catéchiste, père du sous-préfet Paul Bas et de Bernard Bas, animateur. Stanislas Bas, encore le Fadjal, que vous avez trouvé, Père Enzo, brave catéchiste qui a fait le tour de la paroisse de Guéniel et a terminé sa carrière à Michel. Et après, Fulgence Guesse-Gama, fils de l'imam de Michel, converti au catholicisme contre toute sa famille, il est devenu catéchiste. Nous a gratifié un enseignement important après avoir été responsable politique et conseiller rural pendant 16 ans. Ce n'était pas évident, un fils d'imam devenu catéchiste de Michel. José Boukandjouf, aujourd'hui malade, est catéchiste infatigable, a longtemps dirigé les prières du matin et du soir. J'aimerais que Monseigneur lui rende visite avant de rentrer. Et enfin, Jean Babouf, notre catéchiste d'aujourd'hui, qui a été aussi président des catéchistes de Guéniel. Jean Bab, merci pour tout ce que vous faites. Monseigneur, il y a des laïcs qui ont fait du beau travail pour accompagner ces catéchistes. Le premier président de la communauté chrétienne, Benoît Samboudjouf, qui était kouma et même démissionnaire, a accepté l'évangile et il avait dit: ce que j'ai vu à Nagoville est plus important que ce que nous pratiquons à Michel, pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, la primauté de l'évangile sur les traditions. C'est lui aussi le grand-père de l'abbé Étienne et il sera largement récompensé parce que le frère Augustin Diouf, le frère Michel Diouf et le frère Maurice Diouf sont ses petits-fils. Gilbert Lavindour, président de la communauté chrétienne, petit frère de Jean Lavin, il est historien, mon formateur, traditionniste reconnu par tous les Sahmalois. Sitor Bintanou, président de la communauté chrétienne, très actif pour l'aide aux paysans malades en hivernage, le pèlerinage de Bokonine, la lutte traditionnelle, en bonne entente avec le président Benoît Sidonou, père de Jacques qui a pris la parole tout à l'heure, et Djogoy Bénédicte de Diouf. Eh bien, il y a deux guérisseurs, Monseigneur, qui ont été baptisés Raphaël, sans savoir que Raphaël signifie celui qui guérit. Il s'agit de Raphaël Bissansen, qui s'occupait des libations de Massawali et qui aimait très bien l'église. Mon papa, Raphaël Patron, guérisseur et féticheur, maire des judiciaires, en entente avec Benoît Sambou, son cousin et formateur, eh bien, ceux-là se sont approchés de l'église, reconnaissant la primauté de l'évangile sur toutes les traditions. Jacques Coligno, père de Jean Diop, premier séminariste que nous avons eu à Gazoville dans
les années 60. Gabriel Matbou, l'homme qui avait gagné la course pour permettre à Michel de choisir la meilleure cloche à jouer, la cloche que nous avons aujourd'hui dans les années 50. Guérisseur, responsable politique, brave paysan, très engagé, toujours avec son chapelet, entre le champ, le troupeau et l'église. Léon Yadouf, chef de village méritant. Michel Maliam Saïd, aujourd'hui présent, chef de village de Michel, qui a fréquenté également l'internat du père Simonet à Guinée. Merci Michel pour tout ce que vous faites. Et de la morale, vous savez, Isidore, que tout a commencé depuis longtemps. Souvenons-nous de Raphaël Fatou, de Philippe Néras, de Gilbert Brignon, de Michel Dinta, de Baye Kalim, de Maurice Ngom, premier guitariste, compositeur, de Victor Anda, deuxième guitariste payé à son âme, et jusqu'à vous, aujourd'hui, que nous félicitons. Eh bien, rien n'a été fait sans l'école catholique, car le père Simonet était clairvoyant. Ici, les sous-préfets n'entraient pas, les ministres n'entraient pas, car ils étaient réputés pour faire tomber le pouvoir. C'est pourquoi le père Simonet avait tout de suite créé une école qui a donné des cadres dont le colonel, lui camarade, dans toute sa simplicité, est ici présent. Et tous les autres cadres que nous connaissons. Ignace Ndiaye de Palmarin, grand compositeur de chants, Étienne-Thérèse Diouf de Fagnou, redressement réussi, Jean-Pierre Diassé, directeur avec des effectifs en hausse, Michel Sanou Diouf, fermeture, recouverture en 86, Simon Dour, paix à son âme, frère de Bondour, Michel Diaye, paix à son âme, et Pierre Failly, le fils de Virginie Adjamé, la première présidente des femmes catholiques de l'ICE. Et je ne serai terminé sans parler des vocations. Ah, Michel Ngom, premier consacré de Michel, premier garçon au foyer de charité du Sénégal. Michel Ngom est absent. C'est notre premier consacré. Et la fondation Saint-Luc de Samaria arriva avec vous, Monseigneur Proximité Diagne. Abbé Jean Sarr, félicitations. Avec Jean-Pierre Somo, car il y a eu vraiment la chance de réussir l'aboutissement de ce grand projet. Avec Alphonse Guillaume Faman, qui est joaillier, mais qui a des origines de ficelle. Ficelle, micelle. Cherchez et vous trouverez. Et merci à vous tous ici présents. C'est un clin d'œil que je fais à la jeunesse. À 65 ans, je porte encore mon sac à dos parce que nous sommes à Bicel, un village qui doit tout à l'église catholique et qui devrait tout donner à l'église catholique. Vous jeunes, soyez infatigables. Je ne veux pas entendre dire je suis fatigué. Un jeune ne se fatigue jamais. Je vous félicite, jeunesse de Michel, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Mais ne vous arrêtez pas. Continuez. Faites comme moi. Prenez vos sacs à dos. Et allez partout où le Seigneur vous appellera. Mais surtout, faites ce que mon Seigneur a dit. Travaillez, travaillez pour que ici, ça marche. Alors, quand il vous fait un tableau, vous êtes tellement impressionné que vous demandez comment il est arrivé à faire tout cela. Dieu vous a appelé dans votre vie,
pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour. Qu'il efface toi et donne le fruit. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui a dissipé les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance. Et que Dieu parle de vous des lumières pour quitter vos frères sur leur chemin. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur le Christ, lumière et de la lumière. Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.